Ouais, comme un petit drame ici. Ben, un petit drame. Lui, là, il a perdu son cellulaire. Puis, souhaite de le retrouver, mais les chances sont minces. Mais soyons positifs. Casquette mise, la crème mise, on est prêt à partir, on s'en va. Yeah! La journée la plus longue de l'année est commencée. Oh oui. Commence en chantant, moi. Pas même vu que l'autre hôtel. Hey! Solide, hein? Encore échappé, Stiffy. Tu vois, les autres, ils ont des plantes sur le bord de l'autoroute. On a des cônes. Hein? Nous autres, on a des cônes. On a des cônes. C'était ma joke, là, mais il me l'a volé. Ok, hey! C'est parti, ben je serais un bout de parti, ça fait une heure et quart parti. On s'en vient là, paniquez pas, on arrive. Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà, depuis le lever, fait un 6-7 heures là, du voyage. Là, on avance. 6-7 heures qui auraient pu être évitées, bien évidemment, mais. Et puis là, on s'en va à l'aéroport. On a, je pense qu'on a une demi-heure, trois quarts d'heure de drive jusqu'à l'aéroport. C'est pas dans 15 minutes qu'on arrive là. T'as-tu trouvé ton téléphone? Non. Tout fait. Là, on attend pour embarquer dans l'avion. Il y a déjà des gens qui attendent. Ils sont pressés. Ben, c'est parce qu'ils sont assis peut-être en arrière. T'sais, nous autres, on est assis presque en avant. Puis Manu, on s'est payé un petit luxe. Là. Ça nous coûte 200$, 200-250$ canadiens. Mais on est assis le premier rangé. Puis qu'on a du leg room. C'est pas mal rien que ça qu'on a. 120$ par jambe.
Ça fait déjà, écoute, il est 3h30, là, on s'est levé à 5h20, 5h15 dans mon cas. Ça fait déjà 10h qu'on est parti, fait que là, on s'en va pour un petit 13h d'avion. On peut bien se payer ça. Là. Dans l'avion, puis ben là, on n'est pas parti parce que y a des orages, fait qu'il n'y a pas le clearance pour décoller. Fait que ça commence à être serré pour la connexion à Chicago. Hey, pour rentrer, pour venir jusqu'à l'avion, là, on a passé 4 security checks, 4 fois là, checker passeport, se faire toucher, checker nos sacs, enlever mon eau à la dernière, là, juste. Comme mettons, là, tu donnes ton billet avant de rentrer dans l'avion, puis là, entre ça puis l'avion, il y avait encore un autre security check, puis ils m'ont enlevé mon eau, la gang de taparouettes. Tu sais que tu vois ça, toi? En tout cas, ils veulent pas que tu rentres, ils veulent pas que tu sortes non plus. Fait que Manu, il est obligé de laisser son briquet là, mais il dit qu'il va le récupérer dans un Dollarama dans à peu près 6 mois. Anyway, des updates ici et là, genre dans à peu près... Bon. C'est quoi qu'on disait, là? On est-tu parlé? Anyway. Il y a une tempête, Thunderstorm, qui s'en vient vers ici. Thunderstorm. Puis le copain à côté de moi, on était supposé partir à 90, il est 5h. Pour notre vol, notre correspondance. Mais l'autre affaire qui est drôle, c'est que Jacques et Gab, ils dorment, là, vraiment, ils sont assis plus loin là-bas. Ils dorment. Là, les autres, ils vont se réveiller, là, peut-être, je sais pas, dans une heure. Et on sera pas encore décollé. Ils vont capoter. Wow, trop cool, on a bien dormi. Ouais, on est déjà tôt. Arrivé. 4 heures plus tard. 5h20. Sais-tu ce que ça veut dire, ça? On manquera peut-être pas notre bol. 10 plus tard, puis c'est pas grave, hein? Ah, oh, on est bien, là, on a de l'espace pour le pire. Regarde ça. Ouais, je m'ennuie là. Au moment que vous écoutez ça, je m'ennuie plus là, parce que je suis rendu. Tu sais, je sais pas quel jour vous allez voir cette vidéo-là, je pense. Minutes après notre départ de la gate, on est encore sur le tarmac. Cette année, c'est, regarde. On a dormi, je te dirais, là, un bon 8 heures. On l'échappait un peu. Bon, on va manger le dernier petit repas avant qu'on atterrisse. Il doit rester peut-être... Il y a une affaire que j'aime pas qui arrive des fois, c'est qu'il y a une personne qui va vraiment pas bien dans l'avion. Et là, ils viennent de demander à voir les défibrillateurs. Dire qu'elle doit pas filer en tabarnouche, la petite madame. J'espère qu'elle va mieux aller. Hey, tu sais quoi? D'après moi, on va manquer notre vol. Parce que là, ça dit qu'on arrive à 5h20. Notre vol est à 6h20. C'est un autre terminal, il faut qu'on passe les douanes. Au moins, on va passer une petite nuit à Chicago. Ouais, ben là, on descend en Estivie parce que je pense que la petite madame, ça va vraiment pas bien. Regarde ça. Je peux pas dire là, à quelle vitesse qu'on descend. Là. On descend. Bonne nouvelle pour nous autres, par contre. Le vol qui était prévu à 6h20 pour nous autres, le deuxième vol, il est à 8h finalement. Donc on va être entièrement. Thank you.
sorti de l'avion après 14 heures dans l'avion. 12 heures de vol, 14 heures dans l'avion. Malheureusement, la petite madame, il paraît qu'elle va vraiment pas bien. Je sais pas pourquoi, ça me rentre dedans. Anyway, on va passer les costumes américaines, puis on va s'en aller à maison. Passer les douanes, on attend de prendre le train pour aller dans l'autre terminal. On espère qu'on a un vol. Regarde, il a dit qu'il avait un vol. On a eu un courriel que le vol de Chicago à Montréal avait été retardé, mais là, on le sait pas encore. Mais je sais pas, je vais le croire, tu sais, il a quand même oublié son téléphone d'un char en Beijing. Shanghai, excuse. Là, ça fait je sais pas combien d'heures qu'on est levé, là, mettons. Ça fait 26 heures qu'on est parti. Et lui, il s'est pas lavé, ça fait 3 jours. 4, excuse. Ça fait 27 heures qu'on est parti de Shanghai. Ça va bien. Là, on a appris que le vol qu'on a failli manquer puis qui était retardé à 8h30, ben c'est parce qu'il est retardé. Là, on a juste été comme chanceux. Mais là, je pense qu'il est retardé encore un petit peu plus. Là il est né. Faut arriver là. Pardon? Encore? Ben écoute, on attend. Hein? Parce que ça fait ça. Qu'on attend 27 heures qu'on attend. Mais attendre avec Emmanuel, puis Jacques, puis Gab, c'est merveilleux, écoute. Finalement, dans l'avion, il est 9h30 à l'heure de Montréal. Top shape. Ouais, je vais faire un show drette là. Peut-être pas. Ok Manu, toi? Au niveau du concept, c'est pas temporel, là, je fucké. Ouais. C'est fucké, hein? Ouais. Je suis en train de dire que j'avais juste monté un vlog. Ça va marcher sur une vidéo. Mais j'en ai pas juste monté un, j'en ai monté deux. J'en ai monté un dans le train un matin, l'autre jour. Ah mince. Puis dans l'avion tantôt, l'autre jour aussi. Là, ben, je vais fermer ma caméra pour ces zones réglementées. Pas le droit d'avoir ça. Ouais. Bon, ben, passage aux douanes extrêmement rapide. Ça c'était pour ça. Je vais le rendre à Margot. Départ de vie. Pour retour au Canada, réimportation. Montez la souche et voler jaune aux douanes. Ben, c'est peut-être là-bas, là. Ouais, mais je sais pas que je viens de filmer avant, là, ce que j'étais en train de filmer là. Moi, je viens de rentrer dans le parking chez nous. Là, il est 1h30 du matin, donc ça veut donc dire que ça fait 32 heures que je suis parti de Shanghai. Yeah! Et puis, je vais aller me coucher si ça vous dérange pas. Je vais vous donner plein d'amour, puis on se parlera un autre moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui! J'ai pas de valise, elle est pas rentrée. Fait que, je sais pas quand je vais l'avoir. Et puis j'espère que je vais l'avoir parce que la carte de son est dedans. Puis si on n'a pas de carte de son, ben on n'a pas de show vendredi prochain à. Et où qu'on joue? Victoria en Colombie-Britannique. Eh oui, je reprends l'avion. Hey. Puis ah oui, en m'en venant, j'ai raté ma sortie. Là, je me suis rallongé de 20 km. Là. Hey, j'étais content, tabarnouche. Chow Ming!